Salut Dany et Laurie, comment allez-vous? Bien. Bien, excellent. Et vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas fait de vidéo, il me semble. Tu sais qu'on n'a pas fait des vidéos d'activités ou de défis. Aujourd'hui, on va vous présenter un vidéo de défi. Mais avant, on aimerait vous souhaiter la bonne année 2020. Hein? C'est notre première vidéo pour cette année. Puis cette année, on fera pas de vidéo là, de récapitulation comme on a fait les années précédentes parce que c'est trop long, c'est trop de préparation. Puis pendant que je prépare ces vidéos-là, ben, tu sais, il y a plein d'autres vidéos que je pourrais travailler dessus puis que je travaille pas dessus puis qui seraient meilleures qu'une récapitulation. De toute façon, nos vidéos restent toujours sur YouTube. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a fait durant l'année, allez voir nos vidéos. Vous allez le voir par vous-même, hein? Fait que là, on va faire une activité cool aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai reçu en cadeau, les enfants, pour Noël? Un microscope. Un microscope. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, voir des bébelles qui sont minuscules. Voir des bébelles. N'importe quoi qui est vraiment minuscule, puis les agrandir. Ici, avec celui-là, on peut agrandir jusqu'à 1000 fois grâce à la petite molette qui est ici. Là, on tourne ça, puis ça peut agrandir jusqu'à 1000 fois. Je doute que ça agrandisse vraiment jusqu'à 1000, mais bon, quand même, ça agrandit vraiment beaucoup, ok? Un chandail, on peut voir toutes ces fibres là, c'est malade, c'est vraiment cool. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça? On peut prendre des photos avec le petit bouton snap ici. Ces photos-là, on peut les poster sur internet comme j'ai fait, j'en ai posté sur Facebook, je vous ai demandé qu'est-ce que j'avais pris en photo, puis c'est le fun, il y en a quelques-uns qui se sont prêtés au jeu, et certaines personnes avaient vu juste, d'autres étaient complètement dans le champ, c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun, puis aujourd'hui, j'ai le goût qu'on fasse l'activité, mais c'est vous qui allez deviner c'est quoi, ok? Donc, la petite caméra, là, si vous êtes intéressé d'avoir ça, vous pouvez aller sur Amazon, il y en a plein de sortes, plein de marques. Il y en a avec des petits adaptateurs comme ça. Donc, on peut la brancher sur notre téléphone. Fait que vous pouvez la porter n'importe où avec vous. Aller explorer dans la nature des insectes, plein de choses. Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la petite molette ici, on ouvre une lumière. Donc, c'est sûr que ça va être très, très, très clair ce que vous visez. Vous pouvez aussi le brancher sur votre PC. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, moi, je vais être caché derrière une boîte qui est juste ici, à côté des enfants. Coucou! Pour pas qu'eux voient qu'est-ce que je suis en train de regarder avec le microscope. Et vous, les enfants, vous allez voir dans l'ordinateur, ici, juste à côté, qu'est-ce que je vous montre comme image, OK? Donc, le jeu est simple. Si tu crois, Laurie, que tu as la bonne réponse, tu cries ton nom, Laurie! Puis, tu me donnes la réponse, OK? Si tu n'as pas la bonne réponse, Damien a un droit de réplique. Tu dis n'importe quoi. Même si tu n'as aucune idée c'est quoi, dis n'importe quoi. Essaie n'importe quoi, OK? Si tu ne l'as pas, à ce moment-là, je vous donne un indice. Puis là, c'est le premier qui répond qui va avoir la bonne réponse. Encore là, en nommant votre nom. Hein? Toujours, c'est comme votre buzzer, vu qu'on n'a pas de buzzer. Et la personne qui fait le plus de points, ben, va remporter le défi. OK, j'ai tous mes articles cachés ici dans mon sac. Donc, j'en ai une dizaine. Si on l'a pas eu, on sait pas du tout c'est quoi à la fin qu'il nous montre. Oui, oui, je vais toujours vous montrer c'est quoi. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir c'est quoi. Puis, on continue vers le prochain objet ensuite. Vous êtes prêts à jouer le jeu? Oui. Oui? On y va! Je vais aller m'installer derrière ma boîte. Puis après ça, on va commencer tout ça, OK? Cool! OK, première chose. Je vais travailler sur une feuille blanche. Fait que ça se pourrait là, que vous voyez des fois des petits poils ou des petites poussières. C'est normal, OK? On y va avec le premier item. Alors, je vais être toujours le plus zoomé possible. Puis après ça, je vais dézoomer pour que vous voyez c'est quoi l'objet. Pour l'instant... Des fois, c'est dur d'aller chercher la chose. Oh! On l'a ici. On l'a ici, mais c'est flou. Oh. C'est pas facile. OK. Oh! Vous l'avez vu? Ouais.
Alors, est-ce que vous savez c'est quoi? Non. Essayez n'importe quoi. Un verre. Damien, mauvaise réponse. Droit de réplique, Laurie. Un cheveu. Oh, un cheveu! Bonne réponse, Laurie. C'est bel et bien ton cheveu. C'est ton cheveu que tu jouais avec tantôt et que j'ai ramassé sans que tu me vois. Là, vous voyez, là, c'est plus petit ici. Là. On voit un peu plus que c'est un cheveu. Alors là, ça sert à rien que je monte à la caméra. Là. On le voit à peine, le cheveu. Alors, un point, Laurie, bravo. OK, deuxième article. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Blanc. Oui, c'est blanc, c'est vrai. Mmh. Là, j'essaie de zoomer pour que ça soit plus clair. On dirait qu'avec la lumière, c'est difficile là, quand c'est blanc. Je vais essayer de modifier la lumière, la mettre moins forte pour qu'on voit mieux. Ça me dit quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air pris dedans, en tout cas. Ah, je sais c'est quoi. C'est quoi? De la peau. Tu crois que c'est de la peau? Ouais. Non, c'est pas de la peau. Damien, droit de réplique. Un toutou. C'est pas non plus un toutou. OK, on va reculer. Je vous donne un indice. On l'utilise chaque jour durant les repas. Ah, oh, je sais! Je sais. Votre nom? Damien. Le premier qui donne Damien. Son nom? Damien! Un napkin. Un napkin, et oui, c'est bien ça. C'est un essuie-tout, regardez ici. Voilà l'objet. Bravo, c'est 1 à 1. Voilà pour le troisième objet. C'est spécial, hein? Ouais. OK, je vais bouger un petit peu. Je vais essayer d'aller chercher quelque chose pour vous donner un meilleur indice. Oh! Ici, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Vous savez pas? OK. Je vais reculer et vous donner un indice. C'est un objet que maman a reçu en cadeau. Qu'est-ce que... Tiens, je vais aller sur une autre couleur. Ça vous dit rien? Non. Essayez, qu'est-ce qu'elle a reçu en cadeau, maman? Je recule plus. OK. Si je recule... Attends, j'essaie d'ajuster la caméra. Je sais, je sais, je sais! Damien! C'est quoi, Damien? C'est le portefeuille Dumbo. Exactement! Bravo! C'est exactement le portefeuille que j'ai offert à Catherine. C'est spécial, les couleurs, hein? Ouais. C'est tous des petits points. Quatrième objet. Oh là là! Je sais! Tu sais, Laurie? Mon chat que j'ai reçu à Noël. Le chat... Bien essayé, mais c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est une autre partie. Il y a beaucoup de fibres, beaucoup de poils, on dirait. Tiens, une autre partie ici. Attends, j'essaie de... mettre plus clair. Eww. Aucune idée? Personne? Un œil. Oh! C'est bon, Laurie. Regarde. J'ai dézoomé. On voit très bien un œil. Un œil de quoi? Ah! Oh, les toutous à gros yeux, là. Les toutous avec... les yeux brillants, là. Non. Un indice, on l'a chaque année en dessous de l'arbre. En dessous de l'arbre. Un œil de... Oh, je sais! Oh, le... Damien, le pitou, là, qui avance. Non. Le riz essaie quelque chose? Les genres de reines. Oui, c'est ça! Bravo! C'est des biches. Et voilà l'objet. Je comprenais qu'est-ce que Laurie voulait dire par les genres de reines. Là. C'est les petites biches, en fait. Je vais quand même laisser le point à Laurie. Ah oui? Pour le cinquième objet, je vais essayer de vous démontrer différentes textures. Donc ça, c'est la première texture qu'on peut voir sur cet objet-là. C'est de la
slime. Ah. Tiens, ici, on voit bien. Non, c'est pas de la slime. Laurie, as-tu une idée? Les écouteurs à Damien. Non plus. Regardez, ça, c'est une autre partie qu'on peut voir. Et la dernière partie qu'on peut voir. Ça vous dit rien? OK, je recommence. Mais maintenant, on va voir de plus haut, donc ça va être plus facile. Oh! C'est un papier qui écrit quelque chose dessus. Non! Bien essayé, par exemple. Mais comme indice, je pourrais te dire qu'avec ça, tu peux t'en servir sur du papier. À l'aide de quelque chose. Je sais! Mais là, Laurie a son droit de réplique. Ouais, Laurie, elle a son droit de réplique. Alors, Laurie, as-tu une idée? Moi, je le sais. Mais c'est facile, là. On voit très bien, là, me semble. Mais là... Regarde ça. C'est n'importe quoi. Tu laisses Damien répondre? Ok, Damien, c'est quoi ton idée? De l'encre. Non, c'est pas de l'encre. Ok, je vais vous montrer de plus haut. Oh, je sais! C'est quoi? Un pinceau. Bravo, Damien! Et voilà le pinceau. Là, ils ont l'air bizarre, les enfants, mais c'est parce que la caméra focus sur les visages. C'était le pinceau. On continue. Celui-là, il est vraiment intéressant, OK? Gardez ça. Ça, c'est le sixième objet? Oui. Ça ressemble à une toile d'araignée, on dirait, hein? C'est de la colle. Tu penses que c'est de la colle? Non, c'est pas ça du tout. Laurie, veux-tu essayer quelque chose? Du poil? Non, c'est pas du poil. On va reculer. Peut-être qu'on va voir mieux. Oh! Indice, on va s'en servir quand on sèche le linge. Ah! Un sèchoir? Un sèchoir? Non. Laurie, tu veux essayer quelque chose? Les genres de papier qu'on met dans la... On les met où? Pour avoir le point, il faut que tu me dises où est-ce qu'on les met. Dans la sécheuse. Exactement, c'est des feuilles de bounce. Yes. Des assouplisseurs, comme ça. Regardez mais comment c'est. Mais c'est pas pour laver. C'est ça qu'on voit à travers, hein? C'est tout tissé, mais avec plein de trous. C'est spécial, hein? Ah, le prochain peut-être que vous allez l'avoir, OK? Vous êtes prêts? OK. C'est parti. Alors, lui aussi, il y a plusieurs textures, OK? Je vais vous en montrer plusieurs, comme... Voilà, ça, c'est la première texture. Je vais vous en montrer une deuxième. OK, ça, c'est la deuxième texture qu'il y a sur cet objet. On dirait de la vitre. Ouais, hein? Ah. Je vais aller vous en chercher une autre ici. Oh, regardez ça comme c'est brillant. Waouh, on voit tous les petits picots. C'est vraiment spécial. Ça vous dit rien, ça ici? Non, moi ça me dit rien. Non? OK. Tiens, on essaye une dernière texture. Après ça, je vous donne un indice. Oh! Oh! Ça vous dit rien, ça? Le chocolaterie à Noël. Oh! Regardez! Le chocolaterie à Noël. OK, on va rapetisser, OK? Oh! Je sais! Ah! Oh, je sais! Un Haribo! OK. C'est Yoshi! C'est Yoshi Haribo! Oh non, je sais! Le chien de Haribo, Yoshi, là. Oui, c'est Poochie! Yeah. Et on revient avec l'autre texture en finissant. C'est spécial, hein? Ouais.
La première texture que je vous ai montrée, c'est la langue. Ensuite, l'œil. Ensuite, il y avait le collier, là, les petits ronds que vous voyez ici. Mmh. Et en dernier, ben, ils sont péteux, là. Ici, là, juste en arrière. Voilà. Ils sont péteux. Gardez ça. C'est vraiment spécial, là. Regardez. On peut aller chercher ça comme ça ici. Mais il y en a aussi des plus gros que je peux aller vous chercher comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais. Oh, wow, on voit bien ici. C'est quoi, Laurie? Du sel. Exactement, c'est du sel. Du sel de mer. Regardez ici, si on recule, on le voit bien aussi. C'est capoté, hein? C'est fou. On dirait des petits blocs de glace, des glaçons. Je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça vraiment capoté. Alors, c'était du sel. Alors, voilà, c'était le sel de mer Perla. J'espère que ça va fonctionner. Je n'ai jamais essayé celui-là. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe. Lui, ça fait la première fois que je l'observe. C'est du sucre. Tu crois que c'est du sucre? Je te dirais que t'es pas loin, t'es vraiment pas loin. Je savais pas, regardez, c'est comme translucide. Je savais pas que ça avait l'air de ça. Wow! Wow! Du poivre? Non, Damien est vraiment pas loin avec son sucre. De la neige. C'est pas de la neige non plus. Je pense qu'elle serait toute fondue sinon. Qu'est-ce que c'est? On va reculer, OK? On va reculer. Ah, oh, wow! Ah, ouais! Vous savez à quoi ça me fait penser? Tu sais, des bonbons en sucre, là, qu'on mange des fois, des sucres d'orge? Ouais. Wow! Avec quoi ça peut être fait, ça? Wow, c'est débile! Ouais. Je sais pas, ça fait quoi, des fois? OK. Indice. Vous en mettez sur votre crêpe des fois. De la cassonade. Exactement. Bravo, Daniel. C'est de la cassonade. J'ai mon sac de cassonade ici. J'en ai pris un petit peu. Voilà. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la phobie des trous? Le nom que ça porte. C'est la trypophobie, OK? Cette phobie-là, c'est des gens qui n'aiment pas voir des trous. T'sais, comme par exemple des alvéoles ou admettons tu as une blessure puis il y a des trous dans ta peau, n'importe quoi qui est agrandi, que c'est comme des trous, ben il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça non plus. OK? Là, cet objet-là, il va en avoir des trous, je vous le garantis. Regardez les trous! J'espère que vous n'êtes pas tripophobe. Est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est que ça? On va y aller vers une autre couleur. Une éponge? Oh, effectivement, ça ressemble à une éponge. Je te dirais que si tu le plonges dans l'eau, oui, il va absorber l'eau, sûrement. Ah, ici, dans cette partie-là, il y a moins de trous, on dirait. On va aller chercher ailleurs. Voilà. À date, ça vous dit rien, la couleur? OK, je vous donne un indice. C'est un jouet que Laurie a eu à Noël. Tiens, on va moins agrandir. Oh là, regardez, on peut même voir les poils qui s'est déposé sur l'objet. On va se déplacer. On va aller là, vers la couleur, comme tout à l'heure. À date, ça vous dit rien du tout? Vous voulez pas essayer quelque chose? Oui, les genres de poupées que les cheveux, c'est comme des squishies. Exactement, Laurie. Bravo, c'était ta poupée, c'était les cheveux en haut. Alors voilà, les chefs, bravo. C'était cool, hein, comme défi. Avez-vous aimé ça? Oui. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que ça vous tenterait une deuxième partie ou qu'on découvre d'autres choses? Oui. Tu sais, je sais pas, mettons, on essaie d'aller dans la nature, trouver des insectes, quand le printemps va arriver, là. On pourrait observer comme plein de choses avec ça. Ça pourrait faire des vidéos vraiment cool qu'on découvre plein de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Les cheveux à la fin.
Les cheveux de la poupée là, qui ressemblent à une éponge. Ouais. C'est vrai, hein? Toi, Damien, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Moi, j'avais pas vu encore la cassonade. Je savais pas que ça allait ressembler à ça. Hein? On dirait que c'était vraiment du sucre d'orge ou des petits cristaux. C'était vraiment nice. C'était cool à voir. Qu'est-ce que j'aimerais explorer aussi, c'est les flocons de neige. Ça doit être vraiment cool. Je pense que je vais prendre quelques photos avec ça, de flocons de neige. Je peux mettre ça sur Instagram. Hein? Ça pourrait être super cool. En tout cas, merci de vous avoir prêté au jeu. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec ça avec vous. Et vous à la maison, j'espère que vous avez aimé ça. Écrivez dans les commentaires sur Facebook parce que vous ne pouvez pas commenter sur YouTube malheureusement parce que YouTube ne veut pas qu'on accepte les commentaires à cause qu'on a des enfants mineurs dans notre vidéo. Mais commentez-nous, écrivez-nous de n'importe quelle façon que ce soit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans notre vidéo, dans les agrandissements que vous avez vus? Donc là-dessus, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir été là. Bye bye! Bye! Comme vous avez pu le constater, le générique a changé. C'est maintenant ici que vous allez pouvoir voir les messages spéciaux, les scènes coupées ou les bloopers. Comme celui-là. Non. On s'accote pas sur la table. Ah! Un, deux, trois. Pourquoi toi t'es à côté sur la table? T'es à côté. N'oubliez pas de regarder les vidéos jusqu'au bout.